On est en bas Filao, à côté du restaurant. Et le départ, c'est ici. Kousa il fait là, les bobonnets là, hein? Hein, Kousa il fait, ça l'est notre pays. Nous montre à Zot les grands raids, ça l'est les petits raids. Krish, je suis responsable de la sécurité des secours. D'accord, raconte-nous un petit peu comment ça va se passer là. Alors, mi réveil à moi, mi hall dans la cuisine. Là, on est en train de préparer le sas de départ. Je suis un peu stressé, donc je vais pas prendre beaucoup de temps. D'accord. Et pour créer l'étanchéité du sas. Et après le sas, on rentre sur la ligne de départ. Okay. Et le départ va être donné. Ciao. Okay. Merci. Voilà, on est en bas Filao, à côté du restaurant. Et celui qui a permis de réaliser cette course, ben, c'est bien Julien. Julien Lemoyen. C'est lui qui nous a emmenés partout à Maurice. Il s'est réveillé très tôt pour nous emmener. Et là, aujourd'hui, encore une fois de plus, 3h30 ici. Au départ, alors le départ est à 5h. Julien, parle-nous un petit peu de ton parcours avec nous. Alors, tu t'attendais à quoi, à qui pour venir te voir? Ben écoute, tout d'abord, moi, c'était une belle rencontre que je veux dire parce que j'aurais jamais imaginé rencontrer des gens aussi formidables qu'aujourd'hui je considère comme ma famille parce que j'ai passé toute une semaine avec vous. À vous faire plaisir, bon, malgré mes obligations, mon boulot qui m'a pris un peu de temps, mais je suis content, j'ai pu vous faire plaisir, vous tous, et en même temps, aujourd'hui, j'ai pu t'amener à ta course et que j'espère qu'il va très bien se passer pour toi, parce que je vais te suivre à travers le GPS, donc je t'aurai de loin, je serai assez loin de toi, mais on sera en contact. On rappelle que tu m'as mis un GPS dans le sac. Une radio, si avec ça je veux me perdre, il y a un problème. Hein? Là, il y a un problème. De toutes les façons, je vais déployer l'hélico de la police après pour venir te chercher. Mais ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te perdre. Suis juste le tracé, regarde bien où tu passes, regarde bien où tu mets les pieds. Parce qu'il y a certains endroits où c'est boueux, donc il faudra que tu fasses attention. Sur les terrains de chasse, il y a les terrains, des chemins rocailleux et tout ça, donc il faut bien faire attention. Okay. Mais sinon, ben, tout ce que je peux te souhaiter, c'est une bonne course et bonne chance pour ta course. Et merci beaucoup, Julien. Avec grand plaisir, hein, tout le plaisir pour moi. Mais ça va. Bonsoir, bonsoir. C'est quoi votre rôle? Alors moi j'aime bien regarder les gens souffrir, donc c'est pas ça. Ouais. Et puis, mais à part ça. À part ça, on s'occupe de la communication du 2-2 Trail. Ouais. Et puis on installe un petit peu toute la logistique là pour le départ du Extreme 50. D'accord. Ouais. Vous voyez, on est en train de tout installer là-bas aussi. Tout va se passer là-bas. D'accord. Ouais. Ok, ça fait combien d'éditions ça? 12e. D'accord, ok. Ok, donc vous êtes déjà rodé. Hein. Oui, moi c'est la 4e et 12e au total. Ok, super. Profitez bien. Merci. Ouais. Merci. Allez, bon courage. Merci, toi aussi. Team La Réunion? Ah oui, toujours. Et c'est quel team ça? C'est Coulier Trail. Coulier Trail? Yes. Quel endroit à Saint-Pierre. Saint-Pierre, d'accord. Ouais, sud. Okay. Alors c'est la 50 là? Ouais, 50, pas précis. Bien entraîné? Ouais, la préparation grand raid là. D'accord. Donc s'il y a train de paille, il y a train de pire. Un petit message à passer là? Ah ben, bon petit course pour tous les participants aujourd'hui. Et puis ben, nous espérons que la météo sera avec nous. Et puis ben les gars, ne lâche pas, nous tiens beau. Ah oui, toujours. Bonjour, bonjour. Bonjour. Quel endroit ça? La Réunion. La Réunion. Stéphane. Vous avez une team ou sinon vous êtes Ouais. Personnellement un team Rang de Passion. Rang de Passion dans l'Ouest, ça? Dans l'Ouest. D'accord. Président Patrice Payet. Ok, c'est où? Ah non. Ah d'accord, d'accord. Ah ma vice-président, ouais. Alors bien entraîné? On va dire bien. Bien, peut-être pas, mais on a entraîné. C'est un entraînement pour une course de la Réunion ou sinon, grand raid? Ah moi oui, c'est un entraînement pour le grand raid. Et où? Le plaisir. D'accord, ok. Et tu cours avec ou sinon chacun de ses côtés? Je pense que nous sommes ensemble. Avec, oui. Toujours. C'est tiède, tout à fait. Ok, bonne course à ça. Merci bien, pareil. Moi,
Madagascar. Bonsoir, bonjour. Alors, c'est votre premier trail de deux trails ? Oui. D'accord. Et tous les deux avec ? Oui. Et à Mada, vous faites des trails aussi ? Oui. D'accord. Lequel trail vous avez fait dernièrement ? Lequel trail vous avez fait ? Oui, top 60 km. Et comment ce trail-là ? Il top au plateau. Et ça, c'est le premier de deux ? Oui. D'accord. Donc, merci. 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 Bonne chance, hein. Bonne course. Merci. Un petit message à faire passer à Madagascar. In Madagascar. Nous sommes là, c'est un caracara de Soravmanuka ni Mopère Petrona, mais là, on va la faire en elle. On a carré à Tiani, train. Bonjour, bonjour. Bonjour. La Diamant Oulin favori. Ouais, vous voyez ça, voyez. Oui, voyez. Vous voyez comment Loïc. Sinon, comment il est? Ça va bien. Alors, comment on voit les affaires? Faut anticiper un peu le parcours, on ne m'y connaît pas trop. C'est le premier de deux trails? Premier de deux trails, oui. D'accord. Après, m'arriver hier soir à minuit et demi, pas trop le temps de dormir. On va faire avec. Est-ce que les Maurice sont là? Merci. Allez, non, trop. Est-ce que Rodrigue est là? Bonne course. Merci. La passion du trail. Alors apparemment, donc c'est tout est plat, c'est ce qu'on m'a dit. Donc il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de descente. C'est 50 km sur la plage. Ça va être génial. On n'aura pas du tout mal au canard. Allez, rapprochez-vous s'il vous plaît, rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Rapprochez-vous s'il vous plaît, c'est important de faire le prochain plus payé, petit move. Philippe là, pour sa bien sûr, il est là le breton. Il est là, Philippe. Il est où, Philippe? Voilà, fais-le venir, Philippe. Déjà, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse bien fort toute l'équipe d'IBL, Nico, Rachel, Stéphane. Également, j'aimerais qu'on les applaudisse bien fort, s'il vous plaît. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Bonjour à tous, allez, ça va être rapide, juste quelques infos rapides pour le bon déroulé de vos courses respectives. Alors le balisage est de couleur orange et parfois avec des sphères roses, c'est très bien balisé. Donc si vous faites 200 mètres sans balise, c'est que vous n'êtes pas sur le bon sentier. Okay, c'est aussi simple que ça, c'est extrêmement bien balisé. Et surtout la partie de nuit, restez vigilants, malgré que ce soit bien balisé, restez vigilants parce que les sentiers sont parfois assez sauvages, assez extrêmes et difficiles à suivre quand on ne connaît pas surtout. Voilà, donc suivez bien les valises, regardez bien, et si vous passez 200 mètres sans valise, c'est que vous n'êtes pas sur le bon sentier, retournez sur vos pas. Le sentier, les sentiers, comme vous savez, sont techniques, donc soyez vigilants, respectez les autres participants quand ils vous dépassent, ou en tout cas s'ils sont en besoin d'aide aussi, n'hésitez pas à donner de l'assistance. On a eu quelques pluies les dernières semaines, donc ça risque d'être quand même assez boueux. On a eu un peu de chance les derniers jours parce que ça a séché. Mais quand même, il y a des parties qui sont très, très boueuses. Donc, soyez vigilants. Voilà. Donc, on va démarrer à 5h pile. Et juste avant le départ, enfin maintenant, juste après le briefing, pardon, on va vous envoyer dans la zone de départ pour que vous scannez votre dossard. C'est très important que tout le monde scanne son dossard. Si vous n'avez pas scanné votre dossard, c'est que votre temps ne sera pas pris en compte. Donc une fois le briefing terminé, on va dans la direction, vous serez guidé dans la direction de la zone de départ et vous allez rentrer un à un dans la zone de départ. On attendra le départ à 5h. So in English, quickly, so it's very easy to follow the trails. There's a lot of marking has been done well. If you do 200 meters without any marking, that means you are lost. 112. C'est écrit sur votre dossard, donc en cas d'urgence, le numéro est sur votre dossard. There's a urgency medical number on your bill, which is the 86112. Call it if you have any issue or if you see anyone that needs help. Bonne course à tous, enjoy the race and we'll see you at the finish line. Et on va scanner les 200, 4h39. 154. 225. Oh,
Ça, c'est super important. Comme je dis toujours et on le répète bien sûr, le plus important, c'est l'amitié. Je vais vous demander de vous tourner les uns vers les autres. On va se partager un beau signe d'amitié. On va se serrer la main. On va se checker le câlin, le bisou. Voilà, we're gonna go. Cheers, your neighbor. Madagascar, la Réunion. Bonne course, Azat. Bonne course. Merci. Merci. Ah, c'est bon, j'ai réussi ma vie. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. 5 heures. Première côte. Allez, nous, on est que au 3ème kilomètre. Bientôt 4. Là, on rentre franchement dans les sentiers. Il y a le groupe de tête devant. Moi, on est au milieu. Et un groupe derrière. Voilà. Bon, on est en vacances, donc on n'hésite pas à manger tout ce qui est bon. Mais pour la course, ça paye, hein. Eh ben oui, ça paye. Un peu lourd, là. Bon, ça va aller tout au long de la course. Ça va brûler tout ça. Aïe, bonhomme. La réunion, elle est là. Allez, courage. C'est. 8 km 810. Regardez le niveau là. Allez, j'ai besoin de voir, je vois pas. 2, 2, 5. 2, 2, 5. 1, 5, 9. 1, 5, 9. Bonjour, bonjour. Bonjour, je peux vous aider à remplir vos bouteilles. Ah, allez. On est où là? On est au 10ème kilomètre. Oui, mais il y a un. Comment ça s'appelle? Au Petit Monde. Petit Monde, ok. Voilà. Et là, vous allez monter encore un peu. Ok, jusqu'à, super. Jusqu'au 7,5 c'est km. Bon. Super. Prochain ravitaillement, c'est dans combien de kilomètres? 7,5. Il reste 7,5 au prochain ravitaillement. Ok. Merci. Allez. C'est le premier ravito de la course. Nous, les presque à 10 km. Allez, c'est reparti pour une montée. Bon, on est en pleine forme. Pourvu que ça dure. 6h30. Le jour se lève tout doucement. On éteint les lumières. Et on est dans un chemin. Comme une sorte de pâturage. De petit monde. Et là, on est à 11 km. Allez, le jour est bien levé. 14 km. Et là, on voit le monde. 14 km 820. On passe à l'embrasure. C'est un endroit qui s'appelle l'embrasure. C'est justement à cet endroit qu'on s'est trompé. On est allé jusqu'à la route tout en bas pour revenir dessus. Et en tout, ça fait 7 km de plus. Voilà, c'est à cet endroit là, malheureusement. Manque de balisage, on s'est perdu. Je suis avec un petit groupe là, on va essayer de retrouver le balisage. On est en bordure de route. On a qui avec nous là? Manon? Ouais. Ah, on s'est perdu. Un petit peu, ouais. Au moins 2 km. C'est grave, parce que ça manque de balisage. C'est vrai que c'est pas la première fois que je me perds depuis le début. Ah bon? Là, là, là. Amusé, oui. Ah bon? Là, je pense que j'ai déjà fait 4 ou 5 km. T'as combien de kilomètres là? 16 710. Ok, moi je suis à 18 km. Ah oui, oui. Je peux caresser? Non. 7h27. On vient de retrouver le balisage avec des. Avec des trailers. Enfin, on a retrouvé notre sentier qu'il fallait passer. C'était cet escalier-là qu'on a raté quand on est descendu.
225. 125. On était à 6. 6 personnes. Elle finit la côte pour l'instant. C'est costaud ça là. Enfin le soleil. Ah, ce chemin là, rien que béton. Tout ce qui est minium quoi. Le béton. Je sais pas combien de kilomètres il dure. On refait l'état. C'est pas ma tasse de thé. Un portail. Merci la boue. Ils ont marabout. Heureusement la pluie tombe pas. On a que ça. Sinon on aurait été plus pire. Allez, on part ici. Ouais, je vis. Pareil. Malbo, puis ton canot. Wow, on a le droit à ça, super, bonjour, wow, super, wow, c'est trop beau, dommage qu'il pleut, là on voit mieux. Ok, ok. Ah, c'est super. Super. Et là, on a 22 km 400 avec les pertes et tout. Hein. Les pertes de chemin, de sentier. Et il est 8h11. Ah. Ok. Ah, c'est déjà la côte là. Allez, sans la pique. Faut faire très attention, t'es là. Heureusement, la pluie tombe pas. On était plus dangereux. Ah. Un petit chalet là. Joli. Hein, 225. 2, 2, 5. Ça fait marquer le hein? Neveu. Ah c'est là alors? Ah d'accord, c'est ici, d'accord, ok. Parce qu'on s'est perdu hein. Il y a des balisages dans d'autres sentiers. Ça doit être une autre course, mais personne n'a ramassé. Ah. Donc on est parti sur ces balisages là. Ça nous a ramené jusqu'à Marcenaire, un truc comme ça. Jusqu'à la route. On va faire remonter à la direction de course. Donc on était 6 à descendre jusqu'en bas. C'est pour ça qu'on est en haut. Merci. On s'est perdu, 6 km on s'est perdu. Parce qu'il y avait une autre course, ils ont laissé les balisages. Donc on est parti tout droit. Oui, oui, oui. 225. Ça va? Prochain ravitaillement? Un petit peu. Hein? À 25 km il y aura. À 25. 7 km? 9. Prochain ravitaillement? 9. 9? Une grosse montée, une grosse descente. Super. Il y avait combien en tout couru? 180. 173? Ah bon? Merci. Allez! On va où là? Merci. Allez, bon, on est passé hein. Avant 9h. Heureusement. Bon, ça va le faire. Le prochain 9 km. Et la boule là. Dangereux la boule là. Bon, en plus, il glisse. C'est pas comme la boule à Réunion. La boule à Réunion, elle est damée. Ça, elle glisse. C'est quoi ton prénom? Non, c'est Judith. Judith Mauricienne.
Mauricien, j'habite de Robillard. T'habites où, Maurice? Tamara. Ouais. D'accord, c'est dans le nord, c'est dans l'ouest? C'est dans l'ouest. D'accord. C'est près de la Tourelle. Là, d'accord. Ouais. Et Rivalente, c'est dans l'ouest? Ouais. L'arrivée. D'accord, ok. Pareil. On va chercher la médaille. Où j'ai tiens la corde. Sinon il glisse. Où j'ai tiens la corde. Ah je vais pas ici. Hein. Quand il grimpe, il grimpe. Cela dit, Maurice n'a rien que plat là. Ça lui sale. On va pas aimer lui. Le monde. Ok. Ça y grimpe. C'est rayé. Ça va les gars? Costaud ça? Heureusement la pluie tombe pas, sinon elle aurait été plus dure. C'est ça le bec les heures qui? Je sais pas. Allez courage. Regarde ça. Le pâturage dans la boue. Mais incroyable. Allez courage. Mais si. Le pire, c'est qu'il faut pas que les baskets restent dedans. Si basket arrête dedans, bon. Ah. Vous avez vu ça? Incroyable. Il fait plus qu'une demi-heure le temps de nous là. Et ils sont là, hein, ils sont. Soit ils montent, soit ils sont. Regarde ça comment ils sont. T'en as pique là? Là je suis la raté là. Le mauve là. Tu vois ça où là maman? Maman! Tu l'as fait pour moi ou là? Je sais pas. Faut bien positionner les pieds. Et surtout mettre bien une main. Où c'est le feu. Avec la chaîne. Escalade. On est où là? Là. Là tu appelles, on descend en piton. Là on est piton? Ouais, piton comment? Sur la petite rivière noire. D'accord, ok. Piton rivière noire. Ok. Merci. Coca. Hop, vous voulez que je remplisse les flasques? Oui. Avec? Avec de l'eau. Vous avez des poudres à mettre dedans ou? Non, j'ai mon sac ici. Ah d'accord, 225. Merci. Ah, non, c'est déjà liquide. Il y a un, je mets. C'est déjà liquide. Il y a un, je mets dedans. Ok. Et l'autre, c'est de l'eau. Ok. Il faudra dévider. D'accord. Ça, on regarde ici. Oui, celui-là, oui. Ok. Il y a des chaussettes dedans, vous allez les changer? On peut laver. Vous allez passer dans la rivière. Je vais passer dans la rivière? Ouais. Bon, non, mais je vais laisser comme ça. Ouais. D'accord. Trop compliqué. Super, merci les bénévoles. Attendez, on a le deuxième lancer de l'eau. Ah, okay. Et ça, je bois un peu. Okay. On a de la ça, c'est ici. Il y a la soupe? D'accord. Ok, et super. Et. Il y a combien de kilomètres pour le prochain ravitaillement? Merci. On est dans 9 kilomètres. 9 kilomètres. 9, c'est comme ici, comme là-bas jusqu'à ici alors. Ouais, mais moi, ça fait pas. Moi, je suis à 31 parce que on a fait 7 kilomètres en plus. Comment ça se fait? On a raté l'escalier.
On est arrivé jusqu'à la route en bas. À côté de Mercenaire, un truc comme ça. L'escalier de quoi ? L'échelle en bois, là. L'échelle de la tourelle ? Non. Là où il y a le pâturage, là, quand on descend. Il y a l'échelle sur la droite. La golette, ça, au cœur de la golette, oui. L'échelle qui traverse. Oui, tout à fait. Parce que vous voyez les gars en bas, j'ai plus fait attention, on a suivi les autres qui descendaient. Donc on a fait 7 km en plus. Alors cousin, c'est quoi le nom ? Ce marché YouTube là. Waro Stéphane, un message à faire passer là, Waro Stéphane ? Ah, allez. Merci cousine. Il est valable. Waouh là ? Premier à Kouas. C'est bon ? Premier à Kouas. Pas mauvais. Super. Continue comme ça même. À la suite. Ah, excusez-moi. Vous êtes mauricien ? Ouais. On est où là ? On est dans les gorges de la rivière Noire. Ok, d'accord. Je voulais savoir l'endroit. Les gorges, ok, super. C'est réglé ça. On va traverser la rivière. Ok, on va pouvoir se laver alors. Exactement. Allez, on se nettoie un peu là parce que la boue que nous a eue là mérite un bon petit nettoyage. Ah, il fait du bien. Nettoyer un peu. Ben, on va pas nettoyer où complètement là. On a nettoyé là. Ben. Bon, ben, j'ai nettoyé un peu. Là, 14h30 là-bas. Le prochain. Il est 11h09. 6h09 de course. Pour moi, c'est 32 490 km. Puisque nous rajoute 7 km. Il grimpe. Il monte encore. Et bien, vous savez, arrête donc. Oh, très bonhomme. Oh, mais vraiment pour Philly. À La Réunion, il n'y a pas ça. Il faut monter encore. Oh là 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 là. Alors les amis, vous voyez, il y a encore de la boue. C'est pas fini le calvaire. Avec Yannick. Waouh. Oh là là. Ah, purée. Quand est-ce que ça va finir ? Hein ? Fallait amener les skis. Ah. Regardez si. Il se prend pas une gamelle comme ça, on regardait pour le bêtisier. C'est une catastrophe, hein, comme ça. Une catastrophe. Grand escalier. Dur. À 40 km, 720. Pas de douleur. Tout va bien. Je pense arriver sans problème. 225. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va? Ouais. Là, il a pris. Ce qu'on va retenir dans ce dos de trail, c'est la boue. Ouais, bah, et c'est la pente là. Il y a deux pentes qui montent là avec la corde. Ouais, ouais. Il y a un, on peut pas il y a un, on peut traverser au milieu. L'autre, il faut aller dans les carreaux de Goyali. Hein. Ah non mais. Ah ça c'est catastrophe. Ça fait un mois là que Maurice, tous les traits, t'as sensé la boue là pour être. Camarade de course. Yannick. 42. 10, donc 52. Il reste 10 km avant d'arriver le dernier ravitaillement et après bah, l'arrivée est tout proche. Ah sacré trail. Comment il est mon cousin? Ça va? Hein? Ah là, la fin est proche, la fin est proche.
Regarde quoi ça a encore pour monter. Hey. Quand arrive la fin, elle est dure, même ça. Hein. Ah. Il lâche pas. Hein. Donne-nous dans le dur, même. Comment il est, cousin? Allez, où? Et ok. T'as un petit message à faire passer? Ouais, c'est dur. Tu vois là? Tu te vois là? Très dur, le truc. C'est ton premier? C'est mon premier, oui, mais on va finir aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Allez. Mon premier aussi, premier trail. Premier de deux trails. Allez, courage, mon frère. La corde. C'est reparti pour la corde. Hop, et un petit peu d'eau pour rafraîchir. Gâteau, patate, mélangé avec coco. Merci, Julien. Très bon. Et on arrive au point de ravitaillement. On a dû gagner. Messieurs bénévoles. Tiens, cousin. De la Réunion. Oui. Mais il faut revenir à Maurice pour courir. D'accord. C'était dur ce extrême là. Hein. Non. Allez. Merci. La dernière côte. Avant de basculer. Derrière la montagne. Et arriver. Johan, un petit message à faire passer. Salut, bah, plaisir de t'avoir rencontré. Une bonne. Bonne petite aventure. Devant. Ouais. On vient de là-bas, nous. On est passé dans la rivière. Ouais. On est remonté ici. Là, on est. On sort de là-bas. On est là-dessus. Là. Ouais. Ouais. Ce matin, la dernière pique. Parce qu'on était à un moment, vous voyez le monde. Oui, oui. Ouais. On sortait de là-bas. Et on a fait toute la partie là. Ouais, c'est fini. Ça, c'est la descente qu'on a fait aussi, qui est bien casse-gueule avec les chaînes. Ah ouais. C'est ouais. C'est abrupt là. Oui, oui. D'accord. Là-bas. Ouais. Il reste 7 km. Encore de la côte. Ça, j'en ai fini. Hein. Oh là là là. 10h50 de course. 54 km. 250. Il reste 5 km. Avant d'arriver. Encore de la côte. Allez, comment là? Bienvenue. Merci. Faut sauter ça? Sauter ça et c'est le poste en ravitaillement. Ok, ben pourquoi ça pas mettre ça dehors? Là, vous avez vite seulement là pour monter là? Ça pas montagne, Maurice. C'est ça. Ah, désolé, c'est sérieux. Un petit mètre coca, monsieur? Oui. Monsieur Jean-Louis, un petit mètre coca? Oui. Un petit mètre coca pour monsieur Jean-Louis? Pareil. Pareil. On va prendre des sucres là. Ah. Un petit mètre coca. Là, ça c'est pour monsieur Jean-Louis, voilà votre coca, monsieur. On peut remplir vos bidons? Oui. On va mettre coca là-dedans. Là, il y a encore de l'eau. Ouais, coca dedans? Faut on jette ça? Ouais. Merci. Bon, on va. Hop. Voilà, on s'occupe de vous. Ah, c'est bien frappé, ouais. On peut remplir votre camel bag aussi? Non. C'est ok? Il reste 5 km là. Environ, exactement. Ouais. Vous êtes bien c'est bon, renseigné, là. Hein? Ouais. Les choses sont bonnes. Un petit message là? Bien, s'il est venu, on se revoit dans les prochaines. On continue, vous, hein? Encore plus corsé. Ça, il faut demander au... Non, là, c'est déjà bon comme ça, c'est bon comme ça. N'a pas un montagne, Maurice, non? Qui c'est qui a dit ça? N'a pas un montagne, Maurice. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Waouh. Regarde ce paysage. Ouais. C'est une chaîne YouTube? Oui.
Pierre de Dautrail. Gros bisous à toute la famille. Je suis au sommet de la tourelle. Super, merci. Merci aussi à toi d'être monté. Ah, bien joué. Super. Fini par un bain. Super. Un petit mot, félicitations. Alors, je voudrais dédier cette médaille à ma famille, Jocelyne. Payette. Le message est passé. Bien joué. Bravo la famille Payette. Allez, les meilleurs et mauvais moments, dis-nous tout, dis-nous tout. Eh bien nous, on trouvait le parcours trop petit, on a rajouté 7 km. Ah oui, on s'est perdu, on a fait 7 km de plus. Ouais. Ah. Et la deuxième barrière, à 20 minutes près, on passait à côté. Et tu sais les gens que je t'ai dit, ils se sont fait arrêter là-haut. Hein. Tous ceux qu'on a doublés, là, parce que c'était trop juste. 9h moins le temps, arrivé, t'es fait 9h. On a fait 7 km en plus. On faisait 1 km de plus. Vous avez rentré les balises ou quoi? Ouais, il y en a eu une. Ouais, on a regardé les gens courir. Ça s'est super bien passé. Un peu fatigué parce que je sors d'une grosse course il y a 3 semaines à 100 km. Donc du coup j'étais quand même à la limite au niveau de la motivation, de l'énergie et la niaque quoi, de taper dedans. Mais du coup j'ai eu un regain d'énergie à mi-parcours et on a fait la course avec Loïc Boyer, notre copain trailer réunionnais. C'était super sympa et ça s'est bien déroulé et très heureux de traverser la ligne d'arrivée ensemble avec Loïc. Très bon coureur et une amie un peu de compétition et c'est sympa et c'est bon pour la compétition. Déjà je suis très satisfait de ma performance, de finir avec Simon, un très grand champion. Je remercie l'organisation déjà pour l'invitation, et les bénévoles. Franchement, un format de 52 km, ça cumule beaucoup de dénivelé, les bosses. C'est un vrai trail, la boue, les sentiers techniques, la descente, les cordes. J'ai apprécié ce trail.